Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Resident Evil Révélation. Donc on va jouer au mode commando, donc sur le premier stage en mode, enfin en difficulté fausse. Parce que gouffre c'est vraiment trop simple tu vois. Donc du coup on va faire au niveau fausse, niveau stage 1, voilà. Je me suis mis niveau 16 comme le niveau conseillé pour avoir plus d'XP. Tout simplement, voilà, donc mon niveau maximal c'est niveau 41, donc j'aimerais bien atteindre le niveau 50, tu vois, ça ferait plaisir d'atteindre le niveau 50, au niveau du Magnum, voilà, donc j'ai pris lui parce qu'il recharge vite au Magnum et il a une bonne cadence de tir au Magnum, donc, du coup ça fait toujours plaisir. Au niveau des armes, j'ai un sniper, j'ai aussi un Magnum, heureusement, sinon ça sert à rien, et j'ai une mitraillette, voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le stage 1. Et donc moi je vous dis à tout de suite, allez c'est parti. Allez c'est parti les gars, on va commencer le stage 1. Donc premièrement ce qu'on fait c'est qu'on met le Magnum. Voilà, on met le Magnum, on met la grenade de... Bah on met celle-là, voilà. C'est un peu comme un leurre en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là on met la grenade, ouais. On lui défonce la... Attends, vas-y, viens. On défonce la gueule, voilà, comme ça. Lui, bah on a envie aussi de lui défoncer la gueule. Donc du coup on lui défonce la gueule, voilà. Hop là, tu vois, ça fait plaisir. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tuer tous les ennemis de la map. Et il faut aussi ne pas se faire toucher. Comme ça, on a beaucoup plus d'XP. Il faut aussi être niveau conseillé. Donc, en l'occurrence, là, c'est le niveau 16. Donc, il n'y a pas de souci, je suis niveau conseillé. Et puis, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui défoncer la tête. Voilà. Bah, ça fait plaisir, tout ça. Regarde, hop là, boum. Attends. Hop. Ouh là là là. Et quand t'es visé de près, mais franchement, à peine tu bouges le joystick, laisse tomber, le mec il fait le tour du monde, tu sais. C'est un truc de fou. Vas-y toi, viens là, je te défonce. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire mon petit? Bah tu vas rien faire. Allez, vas-y, pète si t'as envie. Boum. Voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, hop, on ouvre la porte et on tue le petit mastodonte. Vas-y, viens ici. Mais non, je me suis raté. Oh, tu vas pas me toucher toi. Mais le mec il a cru qu'il pouvait me toucher comme ça quoi. Fais gaffe hein. Fais gaffe parce que moi je suis Bah pourquoi tu regardes pas vers le bas? Putain. Oh mais il est nul ce Raymond, dis donc. Il peut pas regarder vers le bas comme tout le monde là. Voilà, ça fait plaisir, on lui enlève un maximum de points. Parce que moins on utilise de balles, mieux c'est quoi hein. Parce que ça coûte cher les balles de Magnum, c'est moi qui t'ai dit hein. J'ai beau avoir plus de 300 000 au niveau des PB là, donc au niveau des points, ça fait quand même chier de... devoir dépenser je sais pas combien en... juste en balles de Magnum quoi. Ah ça coûte cher les balles de Magnum, ça c'est sûr hein. Mais en tout cas c'est puissant donc ça fait plaisir, ça c'est sûr hein. Bon ce qu'on va faire c'est que d'abord on va commencer par défoncer ce mec là. Hop, le mec j'ai cru qu'il allait me toucher quoi. Je me suis dit non il va me toucher. Putain merde, vite. Putain heureusement qu'il recharge vite hein, parce que sinon... Oh genre ça le touche pas quoi. Putain. Genre ça l'a pas touché juste parce qu'il y avait quelqu'un devant quoi. Et encore le mec il était mort quoi, donc enfin bon, j'ai envie de dire ça fait un peu chier quoi. Vas-y alors toi mon gars. Hop là, tu vas rien faire. Putain, et il met 2 ans à se retourner le mec. Ah mais oui, mais c'est vrai que je peux me retourner comme ça là. Mais ouais, mais je suis handicapé. Voilà donc ce qu'on va faire. Hop, attends. On va changer d'arme. Voilà, ce sera déjà mieux. Oh putain dit. Oh, on lui a fait un masse de dégâts là. Ah merde, dommage. Voilà, ça fait plaisir. Ok, donc toi, viens ici. Attends, on recharge. Parce que si on recharge pas, on va être dans la merde, c'est moi qui vous le dis. Hein. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vas rien faire. Toi, pareil. Hop là. Putain, j'adore. Et franchement, le Magnum, c'est l'éclat total. Et franchement, mais c'est surpuissant le Magnum, et ça fait plaisir. Hein. Franchement, quand vous tuez les ennemis comme ça, là, en juste une ou deux balles, on va dire 2 balles, ça fait plaisir. Alors lui par contre, il a vraiment toutes les capacités. Donc enfin, je sais pas s'il les a toutes, mais a priori il aurait les capacités déjà d'être rapide. Il est plutôt rapide, il est plutôt résistant et il te défonce bien la gueule. Genre mais quand il te défonce la gueule, il te défonce la gueule quoi. C'est genre un coup de matraque dans ta gueule, tu vois. Non mais ça fait très mal, tu vois, ça enlève beaucoup de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quoi. Voilà.
Alors ici par contre, donc ouais normalement j'ai les bonnes grenades, je les ai mises. Ici il faut faire attention parce que c'est là où on se fait niquer généralement. Donc hop, toi je te défonce. Je te re... Mais non mais... J'ai... Oh mais tu vas esquiver combien de mes balles là? Non mais attends. Voilà, je préfère ça. Tiens. Et alors, moi je te défonce quand tu veux moi. Allez vas-y, je te défonce. Voilà, ça fait plaisir. C'est bon, vous spawnez tout ça là. Voilà, allez vers ma grenade. Ça fait toujours plaisir. Hop, 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 calme-toi. Calme-toi. Regarde, hop là, je vous défonce par derrière, Mante. Ça fait toujours plaisir. Alors par contre, c'est vrai que je me rappelle plus trop quel personnage il y a. Donc c'est vrai que c'est un peu la merde. Hein. Ok, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est la fin après lui, là? Parce que ça se trouve, c'est pas la fin. Ok, c'est bon, c'est la fin. Pouh ! Oh là, on a eu de la chance, hein. Ouais, vas-y, viens là. Donc, on s'est pas fait toucher. On a tout bien eu. On a tué tous les ennemis, normalement. Normalement. C'est vrai que je suis pas sûr à 100%. Allez, c'est parti. Voyons si on a tout eu. En espérant qu'on ait eu un maximum d'XP, ça pourrait être pas mal. Parce que j'ai vraiment envie d'augmenter de niveau. Ça pourrait être pas mal. Donc, du coup, ça donne quoi? Ouh, ça fait plaisir. Donc voilà, donc votre niveau était plus bas que le niveau recommandé. Vous n'avez subi aucun dégât. Donc voilà, on a un max d'XP grâce à ça. Bah ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Donc maintenant en fait c'est les sous qu'on a un max. Mais je crois que c'est l'XP aussi de toute façon. Bon ça on s'en fout un peu. Allez salut. Salut, voilà. Bon ça fait plaisir, 1400 d'XP. Bon vous avez vu, hein, ça augmente pas énorme. Hein. Bon c'est parce que c'est le début, hein, forcément. C'est un peu long du coup d'augmenter comme ça. Hein. Mais bon voilà, c'est déjà pas mal on va dire. Voilà donc petit à petit on va pouvoir augmenter et pourquoi pas aller jusqu'au niveau 50, ça pourrait être pas mal. Voilà donc sinon au niveau des stages, voilà donc au niveau des stages moi j'en suis. Donc à lui là, mais bon ça devient de plus en plus dur quoi. Ça devient vraiment de plus en plus chaud patate. Et donc du coup bah c'est dur de les terminer quoi. Hein. Voilà donc bah du coup bah voilà hein. Je pense qu'on va se laisser là. Alors, juste au niveau magasin, je vais regarde. Je vais vous montrer au niveau des balles de. Vous avez vu un peu? Ah, ça fait chier quoi. Hein, t'as beau avoir 400 000 sur toi, ça fait chier de utiliser quand même 17 000 pour des balles de Magnum quoi. Enfin bon voilà. Bon bah jusque là tout va bien. Ouais, donc au niveau de la. Putain ouais, c'est vrai que j'ai ça à acheter et tout. Augmente définitivement la puissance du pistolet tout ça. Ah ouais, ça j'avoue, oh du Magnum et tout, ah, ça fait plaisir. Moi si on a un au niveau de la puissance, ça serait Sniper par exemple. Oh ouais, le fusil là. Putain, ça fait plaisir, j'avais oublié ça, tiens. Voilà. Bon, bon, ok, voilà, on va pas non plus s'attarder là-dessus. Donc alors juste comme ça, je crois si je me rappelle bien la méthode, c'est je prends le Sniper et je fais le Abyss comme ça là, niveau 32. Ouais, c'est ça. Hein. Je fais ça niveau 32 et j'essaye de faire un maximum. Ah ouais, je crois que je fonce même. Je crois que je sais plus exactement comment je fais. Enfin bon, ouais, non, je crois que je fonce et un truc dans le genre, je sais plus. Ah, franchement, je sais plus comment je fais, mais bon, voilà. Donc, franchement, voilà, j'espère que ça vous aura satisfait. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Donc, la prochaine fois, on fera le stage 2, hein, et puis ainsi de suite. Bon, allez, ciao tout le monde. Ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.